Il y a des accords qui ont été signés, notamment dernièrement avec la Tunisie, qui vont permettre d'échanger sur le plan, bien sûr, professionnel, mais également sur le plan des formations et apporter aux pays du Maghreb, notamment, toute l'expérience que la France, en domaine sécuritaire, pourrait exercer et apporter pour le développement en tant que coopération, compte tenu des derniers événements que nous avons vécus. Nous avons suivi de près les attentats terroristes au musée du Bardo à Tunis. Tout le monde pensait aux victimes, c'est très normal, mais tout le monde a oublié quelqu'un qui a fait, un être vivant, qui a fait un geste très très énorme, qui a sauvé la vie de 200 personnes. On a trouvé que c'était formidable dans le sens où c'était vraiment la justification de cette approche de la sécurité avec les chiens et notamment vraiment la justification de la professionnalisation de cette branche que l'on travaille avec le groupe Taizé depuis plusieurs années, qu'on a pu développer dans différents pays d'Afrique et au Moyen-Orient. On s'est donné la main entre nous, les professionnels du métier de la sécurité, pour remplacer Akil et être solidaire avec le peuple tunisien en leur offrant un chien de race malinois, Vlad. Aujourd'hui, on rend un très grand hommage à ce chien-là. Pour cette raison, on partira demain ensemble, tous, pour donner ce chien qui s'appelle Vlad, qui va remplacer Akil, pour en même temps montrer notre solidarité ensemble avec le peuple tunisien.